date 5 avril 2018. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH pour jeudi et pour qu'on y a nous pour le présenter au grand titre. La République, la Jovenel Moïse a rencontré mercredi 4 avril là non Palais National, membre comité pilotage avec secrétariat technique état général sectoriel là, rencontre l'antéchita sous disposition qu'a prend pour permettre comité avec secrétariat technique là fait travail comme ça doit. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine déposé jeudi 5 avril là non Sénat projet loi pour fixer statistique générale fonction publique là avec projet loi sous organisation administration l'État. Président Sénat République là Joseph Lambert déclaré gain nécessité pour gain remaniement qui fait dans cabinet ministériel là. Sénateur Lambert qui reconnaît ses prérogatives exécutives là pour faire remaniement souhaité exécutif là consulter sous question si là. 1000 agents santé communautaire polyvalent déployés jeudi 5 avril là sous tout pays a c'est ministère santé publique et population en tête collée avec représentant OPSOMS en Haïti qui fait déploiement ça dans cadre d'une cérémonie qui déroulé dans Port-au-Prince. Financer l'agribusiness en Haïti, c'est thème responsable groupe croissance sur Kembe pour organiser 8e édition sommet international sous financement. Activité ça a réalisé sorti 9 pour arriver 14 avril 2018. Plusieurs médecins et spécialistes en médecine interne ont été collés avec Healing Hands for Haiti attiré jeudi 5 avril là attention autorité santé publique yo sous importance dégâts maladie sucre tension ak accident vasculaire cérébral a fait dans pays. Institut international pour démocratie et assistance électorale IDEA international réalisé jeudi 5 avril là un atelier pour réfléchir sur pi bon moyen qui doit appliquer pour permettre quota 30% femmes dans respecter dans toute poste décisionnelle dans pays. Et puis la Cour suprême brésilienne by l'ordre jeudi 5 avril là pour mettre ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva en prison. Luiz Inácio Lula da Silva dénoncé complot, il dit qu'a fait pour empêcher le prendre un troisième mandat. Restez avec nos amis TNH, c'est ça le sujet pour développer dans le journal pour asseoir. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous, comment l'on met aïe, à qui le soleil a été couché, à qui le la pluie demain matin. Nous parlons de toute information ça avec météorologue nous, Wilner Polidor. Jeudi 5 avril 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique là. Hier soir, il y a un pile la pluie sous capitale là et sous quelques départements. Et jeudi encore matin, nous levons avec un temps qui nuageux sous pays là. Et situation ça, j'en ouais sous image satellite ça a persister au cours de journée, en soirée et même au cours de nuit là. Et nous allons regarder qui ça fait ça. On a voir comment la situation météorologique là. Gagnon talvec de basse couche qui trouvait lui vraiment au nord de République d'Haïti. Situation ça a provoqué une masse d'air qui humide et instable sous pays. Et j'en ai regardé avec TPW 4 ça. Nous voyons que temps lit très humide et instable sous pays d'Haïti. En ce sens, nous attendons encore aujourd'hui avec quelques activités la pluie. Et la pluie, ça y est, il a prêté sous département Sainte-Artibonite, l'ouest, sud-est, Nip et Grenens. Mais il faut que nous précisions que la pluie, ça y est, il a modéré à forte sous département de notre cité là, même si tout le pays est concerné par l'activité de la pluie. Et la pluie, ça y est, il y aura pour journée, pour asseoir, au cours de nuit là, et éventuellement jusqu'à demain matin sous certains départements. Pour capitale avec zone qui environ le sous capitale qui est en bas nuage pour jeudi là, et nuage ça va persister au cours de soirée et au cours de nuit là, et encore nous prévoit activité la pluie modérée et quand même vini forte sous capitale avec zone qui environ lieu. Par rapport avec quantité la pluie qui tombait depuis dimanche et jusqu'à côté n'a parlé là yo, Centre national de météorologie de conseil avec secrétariat permanent m'a dit tout le monde qui était dans la zone qui a inondé aux priorités veatif parce que à cause d'appui qui est tombé yo sol la gétant plein avec de l'eau il y a quelques zones qui capable gain inondation et j'en ai regardé sur quatre inondations ça département Sainte-Artibonite avec Grenens c'est département qui susceptible pour capable gain inondation pour jeudi et éventuellement pour demain. Pour Page Maritime, non, c'est un mer qui est vraiment peu agité, mais pour Gove le Lagonave, c'est un mer qui est belle. C'est dit pas un trop sous ses mains
la pluie qui a tombé sous pays a réduit la visibilité. C'est pour ça que le capitaine d'embarcation prudence avec précaution. Et pour le barrage maritime, nous gagnons soleil qui a couché jeudi à 7h04 et la levé le matin à 6h40. C'est tout ça que nous gagnons pour la prévision météorologique. Merci pour la fidélité avec attention. Nous allons croiser demain pour une autre page météo. Jean nous t'ai annoncé le président République là Jovenel Moïse chita parlé avec membre comité pilotage avec secrétariat technique organisation état généraux sectoriel nation mercredi 4 avril là non palais national rencontre ça fait dans l'idée pour discuter sur moyen commission a besoin pour fonctionner pour chaque entité yo kabay résultat comité pilotage là a une mission 6 mois côté li doué produit un pacte pour stabilité et progrès économique et social un document yo doué soumettre by président République là. Président Sénat République là, sénateur Joseph Lambert parlé sous nécessité pour remaniement fait dans cabinet ministériel là. Sénateur Lambert dit jusqu'à présent exécutif là pour consulter sous question ça, même s'il reconnaît ses prérogatives exécutif là pour faire remaniement. Si toutefois président République là pas ta consulter parlement, Joseph Lambert parlementaire a gain pour mandat exécutif là présenter liste nouveau ministre pour vérifier le dossier. On suit un extrait dans le micro Fidner Confident avec Moïse Wilbridge. Le gouvernement est essoufflé. Il faut du 109. Il faut du 109 et je crois qu'il y a une nécessité même pour gagner 109. Le président a une volonté pour faire un remaniement ministériel. Même dit qu'on replâtrage, etc. Sous combien de ministres, pas combien de ministres, moi-même personnellement, en tant que comité dit, étant donné que beaucoup consulté de façon formelle, tout comme le président doit choisir tout pour ne pas consulter, mais son droit que le gagnant pour lui remanier le cabinet ministériel sans pas consulter personne. Mais son droit tout que moi-même, tout comme sénateur, m'a gagné tout pour que je finisse faire remaniement le cabinet ministériel. Et puis, deux heures d'après, pour m'écrire le premier ministre, et puis pour me dire, vous voyez tout le dossier, monsieur, ça revient bon ici, à monsieur Damio, revient bon ici, éventuellement. Et puis pour nous garder, pour nous voir, si pas un Tchécoslovac là-dedans, si pas un Tchèque, ou bien, si pas un Russe, et puis pour nous garder, pour nous voir, est-ce que Mounsal est ministre ou bien est-ce que pas ministre. Même t'as suggéré vivement à ce que, vu la bonne entente qu'il y a aujourd'hui entre le pouvoir cap dégagé, entre le pouvoir législatif là, avec le pouvoir exécutif là, il a deux bons temps pour que au moins nous toujours qu'imbé relation ça. Mais c'est l'exécutif qui a choisi pour connaître qui j'en ai aimé, qui a mis relation ça. Et c'est nous-mêmes, de bon côté, pas nous, capables de déterminer tout, quel type de relation tout harmonieux. Et président Sénat République l'a confirmé depuis après retraite parlementaire pour jouer une harmonie non mi-temps grand quoi. Sénat a recommencé à fonctionner côté arrivé voter plusieurs textes loi. Parmi textes à yo, gain amendement code comme cela avec votre loi sous reconnaissance acquis professionnel. Pour qu'on y a parlementaire yo a travail pour soit environ 15 textes loi. 10 là d'ailleurs fait partie priorité gouvernement qui inscrit dans agenda législatif là. Dans ce sens, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a déposé projet de loi sur l'organisation administration l'État avec projet de loi qui a fixé et statut général fonction publique. Là. Il y a un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Amendement code pénal là qui fait, avec, pas code pénal, code commerçant qui fait en ces articles 1 et 2 et qui baille droit à ensemble d'étrangers qui t'avaient venu faire commerce dans un pays, et eh bien, activité commerciale, nous allons conduire librement. Et il permet tout que nous essayons de formaliser le secteur. Pour que l'on marchand, li là, li la vente, on a fait commerce, etc., il y a un côté que le cas enregistré, le ministère de commerce a connu que il existait en tant que commerçant. Nous avons débattu et voté. Loi sur question acquis professionnel. Qui loi lié son loi qui permet que grand ensemble de monde qui ne doit pas faire bac 1 ou pas faire bac 2 et autres, etc., mais qui est suffisamment compétent et qui dans ce secteur a tellement longtemps et qui est capable d'offrir service by dans le système éducatif. Là. Il n'est pas fermé porte sous mon nom alors que compétence là, il est là. Un exemple. Dans différents domaines.
Et nous allons tout pour nous dire que hier, ou bien avant-hier, nous voté tout loi sur qui a un rapport avec intégration dans l'éducation, la notion de citoyenneté dans le curriculum école pays d'Haïti. C'est le retour ça comme tu as dit à la notion de civisme, de citoyenneté, de solidarité, de droit, de devoir, de respect des biens d'autrui et autres, etc. Et assemblée a gagné jeudi pour nous voter ensemble texte là et enlever le rideau premier ministre pour lui faire dépôt ensemble de projets de loi que juger qui prioritaire. Projet de loi portant organisation de l'administration de l'État et projet de loi qui fixe statut, organisation et fonctionnement du Fonds de solidarité nationale pour l'intégration des personnes handicapées et puis un projet de loi tout fixant le statut général de la fonction publique. C'est des projets de loi qui sont extrêmement importants et que nous estimons qui entrent dans la priorité du gouvernement. L'autre sujet, ministère Santé publique et population, en tête collée à représentant au PSOMS en Haïti, déployé environ 1000 agents santé communautaire polyvalents sous tout le pays. Cérémonie en déroulé dans la centre convention BRH en présence de plusieurs cadres employés dans le domaine santé, dans l'occasion responsable dans la direction protection santé et protection environnement, mais maître autorité qui était participé dans la cérémonie, ça, document programme, il y a bien pour exécuter souterrain. On invite à suivre un reportage avec Falon de Delphine et Bernard Marseille. Mais l'agence Ayo, qui est leader communautaire, a bien pour travail dans promotion, prévention, traitement et réadaptation service santé dans la collectivité territoriale. Activité ça entraîne dans cadre campagne ministère à mener pour gagner une couverture universelle santé. À travers agence santé communautaire, ministère avle plus proche population, ça cap faciliter travail ak service MSPP rivé dans zone difficile yo. Ministre santé publique ak population, docteur Marie Greta Roy Clément, montre importance programme ça gagne dans société ya. Pour une couverture totale du pays en ESF, le système sanitaire haïtien aura besoin en moyenne de 8000 ASCP, 533 auxiliaires infirmières polyvalentes AIP pour l'encadrement de proximité des ASCP, 267 infirmières, 133 médecins. Il nous reste beaucoup à faire pour atteindre ces objectifs. Certaines étapes ont pu être franchies grâce à la ténacité des cadres du MSPP, appuyés par plusieurs de nos partenaires. ASCP, moi pense que c'est important pour me changer langue, pour me parler dans la langue maman, pour me parler avec nous. Aujourd'hui, le ministère l'a présenté nous officiellement devant la presse, devant les gens qui l'ont, devant la population, comme travailleur de la santé. Ça veut dire un pile bagage. Nous là pour nous barrer maladie. Seulement, dans quelle que soit circonstance là, ministère pas toléré aucun de nous agit comme vagabond. Plusieurs agents santé communautaire polyvalent montrent volonté et disponibilité pour accomplir travail ça yo di kap utile société ya. Agence Ayo dit au compter sur série formation ministère pour permettre aux population un plus bon service. Nous c'est monde qui formé, nous c'est monde qui habitué et fait terrain déjà, donc nous passer initiative ça qui va permettre nous faire travail la plus efficace dans communauté et puis ça et communauté a attendre de nous pour que nous faire le maximum effort pour que nous même nous accompagner dans communauté. Avant l'homme vienne la caillou, j'ai jamais parlé avant pour accepter, sous pas accepter tout, m'a accepté parce que ça les dans domaine moi. Puisque nous avons les éthiques, chaque profession a une éthique, nous-mêmes nous avons une éthique pour nous aller à la caillou pour accepter nous. Et puis chaque monde va parler avec lui, chaque monde a un intérêt dans les bagages. Si vous n'avez pas d'intérêt, vous n'avez pas obligé de parler. Donc ma foi, vous avez un intérêt dans ce si vous n'avez pas un intérêt, vous n'avez pas obligé d'entendre. Le programme accompagnement proximité sanitaire, ça, joue une racine dans la constitution OMS adoptée dans l'année 1948 pour permettre service santé accessible à tout le monde sans pas payer 5 cob.
Et responsable de l'Agence nationale Air Protégée, ANAAP, organisé jeudi 5 avril là, un atelier formation pour divers agents qui travaillent dans la protection zone protégée. Pendant la journée, les participants ont abordé un ensemble de thèmes qui ont rapport avec la façon dont ils ont utilisé pour conserver et puis créer zone protégée. Dans l'occasion, le directeur général ANAAP, Jean-Tel Joseph, fait présentation sur différents chantiers institutions de travail et puis quelques autres ont déjà identifié nos missions pour protéger l'environnement. On suit un extrait dans le micro, Esaïe Aurelius. Nous-mêmes, au niveau ANAAP, nous identifions quantité. Je dis à toute instance internationale qui travaille avec nous là, ils ont fait identification tout, ils ont pas présenté là. C'est ça qui fait pas bon liste réellement totale de zones nous gagnons pour nous protéger. Mais nous allons aller, nous continuer et nous assurer que nous avons gagné et automatiquement nous avons les moyens nécessaires pour nous avancer, nous avons fait. Celle qui nous a dit en termes de contraintes, nous connaissons ANAAP réellement existé comme direction générale, avec comme directeur général en mai. ANAAP n'a pas été émergé dans le budget national. Ça fait que nous n'avons pas réellement les moyens pour nous arriver à intervenir réellement avec efficacité sur 25 aires protégées que nous avons qui déclarées. Et nous n'avons pas de moyens tout pour que ensemble de l'autre côté après nous pour nous faire intervention pour nous faire. Par exemple, côté ma parole là, c'est presque dans tout pays qui a pris nous, il a dit nous, mais à exploiter zone ça mal, mais à couper pied bois tel côté, mais des autres tel côté. Donc regardez, au niveau ANAAP, nous pas gagné les moyens pour nous faire travail là. Mais nous obligés d'utiliser les moyens du bord et la volonté de la population. Pour nous faire suivre. Même bon garantie pour tout caliment, il fait partie de l'Islam et son zone qui réellement et nous gagne focus sur lui pour nous faire tourner une destination écotouristique. Le sujet dans le rapport Banque Centrale présenté sur transaction l'argent qui réalisé dans le PIA, sorti 2015 pour arriver 2017, département Nord-Est Grand dans SACNIP, c'est côté où on fait moins transaction la banque. C'est président directeur général groupe Croissance Lan, Kessner Farel, qui pote précision ça. D'après économiste Lan, chiffre montré gain plus monde qui vivent dans une situation difficile dans trois départements en Haïti. Johnny Arbicassé, Isaac Ben à Marseille, présenter un reportage en suivre. Malgré les efforts qu'a fait pour moderniser le secteur financier en Haïti, une bonne partie de la population a toujours pour gagner accès à services financiers de base. Ces déclarations, président directeur général groupe Croissance dans Kessner Farel fait pendant l'étape présentée, un rapport Banque Centrale fait sortir sous transaction l'argent de la banque dans différents départements en d'un pays a sorti 2015 pour arriver 2017. Dans le tableau, ça, département l'Ouest, Nord et Latibonite, dans tête plus région, côté moun plus faire rentrer sortir la banque. Tandis que Nip, Grandens et Nord-Est, dans quelques camionnettes. Tête pyramide, là, c'est le département de l'Ouest. C'est lui-même qui a plus, nous pas capable de dire, comme en dans banque. Donc, même le département de l'Ouest, je ne vais pas parler de fonds verts, mes amis, je ne vais pas parler de gratis parce que je ne vais pas avoir besoin de ça. Je vais parler de la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince. Après-midi, je vais faire mes banques, sous 100 gouttes qui déposent dans le système. Là, 82 apprêtés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, nous voyons cette tête pyramide. Il y a trois départements qui sont en deuxième catégorie. Le département Nord, comme Tabdine, qui a amélioré considérablement, là, 17 millions de gouttes. Ensuite, nous avons l'Antibonite qui suit après Nord, là, et le Sud qui lui-même est trouvé dans la quatrième position. Donc, c'est la deuxième catégorie. Là. Et la troisième catégorie, nous avons le Nord-Ouest, nous avons le Sud-Est et nous avons le Centre. Il y a même autour de 2 milliards de gouttes de dépôt pour année ça. Et la base là, rappelez très bien, département qui a plus de pauvreté, extrême pauvreté, et bien nous parlons que département ça qui est en rouge là, et bien eux-mêmes, ils ont autour de 1,5 milliard de gouttes de dépôt en le système bancaire. Selon Donéo, NIP, Grandens et Nord-Est, il y a plus de monde qui est en situation de pauvreté dans le pays. L'argent qui est alloué pour région ça dans le budget a pacifique pour répondre à besoin de la population. Si que monde ça pas capable de satisfaction, il va commencer à migrer vers Cap-Haïtien, le nord. Si vous n'êtes pas satisfait, vous descendez vers Port-au-Prince. Si vous n'êtes pas satisfait, vous prenez un avion, vous quittez. Donc, en ce sens, la migration vient très fort. Et le secteur urbain commence à renforcer de plus en plus parce que l'or ignore le secteur urbain. Là, on ne peut pas faire investissement là-dedans. Donc, ça peut poser de sérieuses difficultés. Économiste Kessner Farel, retenez quoi? Il est nécessaire pour les parlementaires de pencher sur la région qui a plus de difficultés dans le pays. Selon lui, 8e sommet sous finance a occasion pour attirer l'attention sur la nécessité qui gagne.
pour faire plus bon jeu à l'occasion dans le prochain budget. Financer l'agribusiness en Haïti, c'est thème responsable groupe croissance sur Kimbé pour organiser 8e édition sommet international sous finance. Activité ça qu'a réalisé sorti 9 pour arriver 14 avril 2018 là, à occasion pour participants brasser l'idée sous problème agriculteur rencontré et puis garder ensemble possibilité pour rendre secteur plus rentable. Président directeur général groupe croissance là a porté plus précision à micro John Herbie Cassius à Bernard Marseille. Lundi, nous pourrons lancer le sommet à la Caribe Convention Center. C'est là qu'il a toujours commencé et c'est là qu'il a toujours fait pendant toute semaine. Là. Avec la finance municipale, nous avons une centaine de maires qui ont fait déplacement pour nous venir faire réflexion sur la décentralisation, amélioration, ça n'est pas capable de l'administration publique locale là, pour renforcer la finance municipale. Là. Mardi, thème sommet, nous entendons déjà, c'est financer l'agribusiness en Haïti. Chaque année, nous avons un thème et année, ça, c'est l'agribusiness que nous ciblons. Pour la simple et bonne raison que nous connaissons que la population croître de manière considérable et au lieu que nous produisons manger pour nous-mêmes, c'est important d'en importer. Débat de dollarisation entre là-dedans tout. Jeudi, on a importé pour près de 5 milliards de dollars américains de produits en général et on a rapproché de près de 1 milliard de dollars américains de produits alimentaires. De produits n'ont pas fait la canne, mais on a importé. Donc, si nous sommes capables de favoriser le financement dans ce secteur, ça, moderniser lui, donc comment réduire les importations alimentaires de ce pays et pourquoi pas produire beaucoup plus pour nous vendre, pour nous capables d'augmenter les exportations également. Mercredi, c'est pas la finance publique, le ministère de l'économie et des finances qui avait dans le sommet ça, nous parlons des Nations Unies également, le PNUD, qui va montrer nous ODDO, Objectif de Développement Durable. Le financement international n'a pas d'intention, bonne COP pour 2030, là. C'est nous pour gonfler pour être nous, travailler, mobiliser les ressources locales. Parce que l'assistance internationale a diminué, comme nous l'avons déjà en budget. Jeudi, c'est pour la journée du système bancaire, côté que le gouverneur Banque Centrale a toujours prononcé un gros discours pour montrer la politique monétaire actuelle, là, cash management là, et les perspectives, parce que nous avons mis temps l'exercice fiscal là, les 6 prochains mois. Donc nous faisons finance municipale là, d'abord le jeudi, le mercredi, pardon, et le jeudi, nous faisons politique monétaire là. Et vendredi, dans le Caribéa, nous parlons d'assurance, assurance récolte, assurance agricole, qui va présenter nous exactement comment la situation est. Là, un secteur qui est tellement risqué, lorsqu'on parle d'agriculture, et comme nous connaissons le changement climatique, a posé un pile problème pour les pays de la Caraïbe, dernière réunion Caraïbe, comme nous avons dit ça clairement, et pour nous capables de mettre un support à monde qui a perdu comme en agriculture. Voilà, c'est le moment pour nous observer une pause commerciale. Nous tenons dans un petit moment. L'émission. Poursuivre avec information, merci pour fidélité et attention. Cinquième promotion commissaire Académie nationale police la graduée jeudi 5 avril 2018. L'an. Cérémonie ça a déroulé en présence du Premier ministre Jacques Lafontaine, au commandement police nationale d'Haïti, parlementaire, représentant secteur Douamoun, partenaire international famille avec Zami récipiendaire. Ils ont compte rendu avec Rachel Saint-Fort et Michel Joseph. C'est 72 commissaires femmes mélangées à garçons qui gradient aujourd'hui dans l'auditorium de l'École nationale police là. 72 cadres qui sortent dans la direction technique différents départements dans le pays a qui étaient inspectés pour venir commissaire d'après explication responsable. Pendant environ 9 mois, commissaire Sao suivi une formation sous différents modules tant qu'éthique, gestion administrative, ressources humaines, matériel, leadership et droit. Directeur général police nationale d'Haïti, Michel-Ange Léon, remercie tout intervenant, professeur, tout le monde qui a contribué dans la formation commissaire. DGPNH a mandé récipient pour développer sens communication avec service public dans l'exercice fonction. Cette formation qui donne droit au diplôme de gestion appliquée à la police et à la sécurité visait à mettre à disposition de la PNH des gestionnaires de la sécurité publique responsable et imbu des enjeux et défis associés à la sécurité, au développement économique national et aux droits humains. Aujourd'hui, nous voici au terme de notre objectif. Ils sont prêts. Prêts pour accompagner, Monsieur le Premier ministre, vos politiques publiques en matière de développement économique, de justice, de sécurité et des droits humains et autres. Chers récipiendaires, après 9 mois, long comme 9 éternités, direz-vous, l'heure est enfin arrivée de tirer sa révérence et de dire adieu à ce monde d'enseignement, apprentissage, de contraintes et de pression,
vous allez recevoir un parchemin bien mérité qui couronne un cycle d'études, mais il ne sera qu'une présomption de connaissance. Après la vie de l'école, l'important pour nous, c'est surtout le comportement que vous allez afficher à l'école de la vie. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Le savoir ne doit pas évoluer en solo. Il doit se faire accompagner du savoir devenir et du savoir être. On va vous suivre de près et même de très près. Ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, André Fonette, félicite les récipiendaires qui bouclent cette formation ça pendant lui expliquer volonté gouvernement Canada pour continuer à renforcer collaboration, partenariat avec le pays d'Haïti dans le domaine de sécurité. Notre approche est de travailler ensemble dans un contexte de responsabilité mutuelle pour maximiser l'utilisation efficace des ressources et l'atteinte des résultats. De ce fait, le Canada est fier d'être impliqué dans ce moment historique, la graduation de 72 commissaires qui retourneront à leur commissariat avec une formation hautement professionnelle grâce aux efforts de plusieurs intervenants et formateurs rassemblés aujourd'hui. Dans l'occasion, le Premier ministre a demandé aux commissaires pour remplir leurs fonctions dans le respect de la loi, pour faire honneur à l'institution et puis afficher un comportement qui a inspiré confiance à la population. Ces valeurs doivent vous renvoyer à la discipline dans un souci constant d'efficacité et d'efficience, à l'intégrité avec un sens aigu de moralité devant guider vos actions et un désir insatiable de servir d'exemple, de modèle pour votre pays, votre institution, votre famille et votre communauté. À l'engagement avec le rejet du laxisme et de la passivité, éveillant chez l'individu le sens du devoir et de la participation à une mission collective, institutionnel ou national à l'intérieur d'un groupe ou d'une structure, au respect de l'accomplissement de son devoir, au sens de l'excellence, avec le désir permanent de bien faire et de chercher à s'améliorer en se comparant au meilleur dans son domaine tout en voulant être le meilleur. Directeur général Michel Angédéon fait qu'on est institution policière a progressé, l'a renforcé dans tout niveau pour assurer relève là. Malgré difficultés, institution a fait face, responsable a expliqué et a continué de travailler pour professionnaliser la police nationale là, pour établir un climat de sécurité et puis améliorer les services à offrir à la population. Notre point dans le journal là, ancien Premier ministre Laurent Lamothe répond à une question. Juge instruction Jean-Wilner Morin, jeudi 5 avril. Là. Ancien chef gouvernement Laurent Lamothe a passé 2 heures après prendre question. Juge Morin, sous dossier assassinat Alix Junior Gassan, qui était tombé en babal dans date 24 février 2012. Avocat ancien Premier ministre Laurent Lamothe, maître Mario Delcy, voyez jeter toute implication client dans le cadre de dossier. Si là. On suit un extrait dans le micro Paki Sainte-Croix avec Henri Robert Chéry. Laurent Lamothe, tant que tout l'autre citoyen, en bon citoyen, il était décidé de répondre, présenter dans le cabinet d'instruction matin et répondre à toutes questions magistrat instructeur là, Jean-Wilner Morin. Et nous comprenons que c'était vraiment important pour que M. Laurent Lamothe, qui est ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de planification, lui répond à la question juge là. Mais nous comprenons que l'instruction est secrète, nous ne sommes pas capables de révéler nous qui ça qui était discuté en dedans. Bon, c'était public, c'est dans le cadre dossier assassinat Alix Jean-Marie, Jean, Alix Marie Junior Gassan. Est-ce que la Non. Et, sauf que nous voulons que ça soit clair pour tout le monde.
Moi-même personnellement, comme avocat, ancien Premier ministre Laurent Lamothe, nous tendons en pile bagaille qui a parlé au niveau de la presse. Nous avons fait nous connaître, nous avons fait ça clair pour toute population, pour toute la presse qu'il a, que M. Laurent Lamothe n'a pas gagné rien à ouais, ni de près, ni de loin, dans la question de la mort Alix Marie Junior Gassan. Et qui s'est reproché lui-même? Excusez-moi, nous on a répété pour nous encore que juge là a relé nous pour nous répondre sous question ça. Et si nous te lis l'information, et après que ce n'est pas un mandat de comparution, c'est une invitation. N'importe qui monde qui était en fonction à l'époque dans l'État, juge a le droit de décider de pour Mandel, est-ce que il connaît certaines informations. Et lui-même, il vient là, il répond à toutes questions que il a posé lui, et nous capables là, lui sorti, c'est aller que nous parler. Mais ça qui est clair pour nous, nous dit que Laurent Lamothe, en plus, on a parlé de Petro-Caribé, nous par contre, on a fait Petro-Caribé que nous avons parlé, nous-mêmes, qui dit lui, Laurent Lamothe, lui commence à gérer fonds Petro-Caribé en août à partir du mois d'août 2012. Ça a l'idée clair. Et nous apprenons que les gens qui mourent, va mourir depuis le mois de février. C'est 6 mois après que M. Laurent Lamothe lui commence à gérer fonds Petro-Caribé. Nous ne sommes pas capables d'élaborer là-dessus. Plusieurs femmes et garçons qui sortent dans diverses institutions et organisations participer dans un atelier réflexion jeudi 5 avril. Institut international pour démocratie et assistance électorale, IDEA international, réalise activité ça dans l'idée pour réfléchir sur les bons moyens qui doivent appliquer pour permettre à 30% femmes respectées dans toute poste décisionnelle dans le pays. Précision Marie-Laurent Jocelyn Lassègue dans le micro. Il y a des raisons financières, il y a toute tradition hein, que mesdames yo jambé par rapport à l'éducation, par rapport au fait que souvent jusqu'à présent c'est eux-mêmes qui à charge de famille, bien que nous avons une loi sur paternité, maternité responsable, hein, pas oublier, qui fait que tout le monde qui est c'est papa et maman qui ont occupé. Mais il y a toute tradition, ça y est, tout handicap, ça y est, que mesdames vous goûtent pour chamber. Mais Koulien, tant que ça fait en pile l'autre pays du Sud, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Amérique du Sud, qui voulait gagner des pays démocratiques, eh bien, il faut, puisque leur injustice faite pendant longtemps, eh bien, il faut corriger cette injustice. Et c'est pour ça que Kota a fait. C'est pas un bagage que nous inventer, c'est pas un bagage que du jour au lendemain. Non, quota permet justement de corriger des injustices. Comment un pays, côté Fomio, depuis la création de cette nation, telant l'armée indigène, Guillaume Charlot, Sanit Belair, Marie-Jeanne, Claire Heureuse, Cécile Fatima, comment un pays qui était une Ligue féminine d'action civique et sociale, comment un pays qui jeûnait, je dis, hein, toute structure campée sous yo, que c'est l'école, que c'est banque, que c'est secteur formel ou informel, mesdames, yo là, yo prend responsabilité, yo, et côté loi à voter, contrôle l'État à fait, yo pas là. Donc, quota, son passage obligé. J'ai noté à nos solides titres, plusieurs médecins qui sont spécialisés dans la médecine interne, tel que Healing Hands for Haiti, parlent sous dégâts maladies sucre, attention, à faire dans le pays. Après de maladies sérieux, ces problèmes maladies, accidents vasculaires cérébrales qui commençaient à faire en pile dégâts. Médecins ont attiré l'attention des autorités sur maladies sérieux qui tournaient un problème de santé publique. Reportage Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre. Coalition médecins sayo, c'est pour sonner sonnette à l'âme dans oreilles autorités concernées sur ravage maladie tension, diabète et AVC à fait dans population. Président conseil administration Healing Hands for Haiti, Philippe Armand, exprime préoccupation sur ampleur pathologie sayo, li croit une campagne éducation et sensibilisation. Important en pile pour informer moun yo sou gravité maladie sa ak préoccupation yo dwe pran pour empêcher moun continuer perdu la vie yo pour manque information. La situation de patients frappés par les ACV ont tendance à s'aggraver dangereusement.
toutes les structures de santé font état de chiffres alarmants. Ici, à la Healing Hands for Haiti, de tous les patients reçus en réhabilitation, 55% d'entre eux sont victimes de cette grave pathologie. 8% kay gason ak 4% kay fanm ki poko gen 40 lane soufri tansyon ak diabet. Epi 50% moun ki nan lan 69 lane fè tansyon ak suk. Chif sa yo soti nan denye rapor Fadimak te realize. Dr. René Charles, ki se mam fondateur Fadimak, explike se pou rezon sa yo te pran desisyon mete kampe Fadimak nan lide pou pote sekou a moun ki fè maladi sa yo ki pa genyen gro mwayen ekonomik. 1.5 milyard, c'est quantité monde qui fait attention à sucre dans le monde là. 80% chiffre ça concerné pays sous-développés d'après docteur Roger Jean-Charles qui c'est président Centre Haïtien Hypertension. Lui expliquer cause qui fait en Haïti gain en pile monde qui fait attention comme ça. D'après lui, cuisine haïtien yo consomme trop sel qui évalué en 30 à 35 grammes. Pourtant, yo ta doit consommer seulement en 2 à 3 grammes. Nous voyons que gain une bonne quantité de monde qui souffre de diabète et en plus de l'homme qui souffre de diabète, de même de hypertension tout, 50% là-dedans pas connaît que fait maladie. L'un continue investigation. Nous voyons que pour l'hypertension, c'est un problème beaucoup plus grave. En dessous, dans l'an, en 30 d'âge, entre 25 et 39 ans, gain 49%, donc près de 50% de Haïtiens qui font hypertension. Ce qui veut dire que Haïtiens sur deux pratiquement font hypertension en dessous de 40 ans. Sodium et potassium, c'est deux éléments antagonistes. Sodium n'a fait tension en montée, potassium n'a fait tension en descente. Mais côté pour ta joindre potassium non, c'est dans les légumes et dans les fruits. Mais nous connaissons que bah ça yo yo cher et en même temps tout haïtien pas même manger les légumes verts, yo do bah ça c'est pour bête. Docteur yo expliqué maladie tension ak sucre plus génétique que yon simple maladie. Ça veut dire si parent moun nan te gen maladie a, petite li gen plus chance pour faire le tout. Pratique manger haïtien yo c'est une cause qui favorise déclenchement maladie à tout. Li invite moun yo pour yo ta plus manger légumes ak fruits qui gen en pile potassium qui c'est une indice qui aider descendre tension. Et puis na fois qu'on a union nationale journaliste photographe Haïti continue à demander justice pour confrère yo Vladimir le gagneur qui disparaît depuis 14 mars passé à Jean Berkens Augustin Younama Media Info Plus mandé autorité la justice avec la police mener bon gens enquête et puis arrêter tout coupable qui t'a gagné meilleur trempé dans disparition journaliste là un extrait dans micro Colo Elisa avec Henri Robert Chéri. Nous-mêmes, encore pour son journaliste là, nous continuons à souffrir à la disparition de sa même avec la famille, madame. C'est pour ça que nous avons demandé à la police et à la justice dans qui point il y a une enquête sur la disparition, confrère nous Vladimir les gagneurs. Pendant, nous avons tout profité, féliciter la police nationale là, qui a fait un bon travail dans le cadre de la marche, nous avons organisé pour demander justice à confrère nous Vladimir les gagneurs. Nous-mêmes, encore pour son, nous prenons la justice pays nous. Nous prenons l'institution pays nous. C'est pour ça que nous avons demandé à la police et à la justice pour continuer dans le cadre d'enquête. Même j'ai osé jouer un chapeau, jouer un zoo. Nous avons demandé pour non titre pas trop long pour avoir un résultat ADN. Nous dit qu'il ne pas le faire pour zoo ça pour connaître effectivement est-ce que c'est Vladimir. Nous même encore pour ce journaliste là, nous avons continué à demander lumière sur disparition confrère nous Vladimir les gagneurs. Et nous avons demandé tout, la police et la justice. Puis dégager, pour mettre Jean-Jacques, pour mettre code, pour mettre tout le monde qui t'a impliqué dans le cas de disparition, ça, pour mener au devant la justice, pour ça pas répéter encore. Je dis à ces Vladimir, demain c'est cas, nous une journaliste, et nous ne connaissons combien la population qui est victime avec même cas de ça. Nous allons observer notre pause commerciale, Neptune, avec l'autre information.
Et nous poursuivons avec l'actualité à Food for the Poor. Si un jeudi 5 avril, il y a un protocole accord avec l'ambassade Chitawan. À cause ça, concerne 600 tonnes métriques d'huile, responsable Food for the Poor, a bien pour partager avec le ministère des Affaires sociales dans le cadre du programme assistance alimentaire gouvernement mettez sous pied. Responsable Food for the Poor, Monseigneur Roger Beauvoir, remercie l'autorité Chitawan qui facilite une contribution alimentaire habituée bail pour programme cantine scolaire dans l'asile et pour les gens handicapés et l'autre monde qui n'ont besoin d'en suivre. Année, Taïwan, Banon, Duri, pour 7 mois pour nous capables d'aider les gens qui plus n'ont besoin dans la population. Je dis à cette 11e édition, signature protocole d'accord ça, qui pour un total de 6100 tonnes métriques de riz que le gouvernement avec le peuple taïwanais mettait à la disposition Food for the Poor pour être capable de servir les gens qui ont besoin. Dans 6100 tonnes métriques, il y a 5600 qui pour Food for the Poor proprement dit, et puis il y a 500 tonnes qui pour le ministère des Affaires sociales et travail. C'est un partenariat qui est important pour nous en pile parce que 5600 venir pour nous, les bonnes à peu près 7 cargaisons de 40 containers chaque pour nous capable aider les gens qui sont dans l'école parce que depuis le mois de septembre 2017, nous prenons un virage. Certes, nous continuons à desservir les églises, les paroisses, les presbytères, Kai Pasteur, Kai Pé, association communautaire qui n'a besoin, les orphelinats, mais nous faisons un zoom sur un programme assistance alimentaire aux écoles. Et dont Taïwan ça facilite nous, capable de faire travail ça. Donc, c'est un appui énorme, notre travail Food for the Poor a fait du côté de distribution alimentaire dans le pays. Dans l'actualité internationale, la Cour suprême brésilienne a exprimé avis sur le dossier arrestation Lula. La Cour suprême brésilienne by Lord, jeudi 5 avril, pour mettre ancien président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, en prison. Ancien chef de l'État dénoncé un complot lidi qui montait pour empêcher le tourner sous pouvoir en suivre. Après une séance qui fait dans le pays Brésil, si juge voté contre, avec l'autre d'accord pour ancien président Lula arrêté en liberté, jusqu'à ce qu'il ait fait tout recours contre condamnation. Il y a une audience qui déroulait dans la Cour suprême sous tension, à gros mesures de sécurité. Luiz Inácio Lula da Silva, qui trouvait la bonne position pour remporter l'élection, a dû passer 12 années avec un mois en prison, à cause de dossier corruption qui pesait sous dol. Luiz Inácio Lula da Silva, qui est un personnage principal gauche-là dans le pays Brésil, voulait jeter toute accusation qu'il a fait contre lui, à cause de l'idée par des preuves, pendant le fait qu'on ait un complot pour le Paris veiller un troisième mandat dans tel pays. Et puis, film, analyse donnée à communication et stratégique, Cambridge Analytica a détourné 87 millions de comptes Facebook pour orienter campagne présidentielle trompe-l'œil. C'est sous dossier ça, Mark Zuckerberg a bas explication devant le Congrès américain en semaine qui a venu là. Mardi 4 avril, là, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il pourrait éliminer 270 pages à compte Facebook et Instagram qui sous gestion société russe là, Internet russe et sa agence en suivre. Patron Facebook là, Mark Zuckerberg, pral ba explication devant le Congrès américain en semaine qui a venu là sous scandale Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg déclaré que ce n'est pas 50 millions, mais plutôt 87 millions d'utilisateurs de données personnelles qui détournaient, récupérés suite à Manigans, film analyse données à communication et stratégique Cambridge Analytica. 87 millions comptes ça ont été détournés pour orienter campagne présidentielle Trump. Dans le Congrès américain, Zuckerberg parle d'explications sur faux compte tout la récite à cacher derrière eux. Cambridge Analytica rejeté possibilité à chiffre ça côté film analyse la parler de 30 millions de monde et puis déclaré été éliminé donné ça sous demande Facebook. Mardi 4 avril là Mark Zuckerberg annoncé qu'il pral éliminer 270 pages à compte Facebook et Instagram qui sous gestion société Russe Internet Research Agency IRA qui était trouvé déjà d'après renseignement américain des opérations désinformation qui était lancée pour déstabiliser campagne présidentielle 2016. Scandale Cambridge Analytica déjà coûté Facebook cher, côté au perdu plus passé 80 milliards de dollars valorisation boursière depuis mi-temps mois mars là.
Et puis, une fois qu'on est la justice allemande, décidé Kembe en détention, Abou Wala, c'est présumé recruté État islamique là, en suive. Avocat Abou Wala dénoncé absence preuve. Il déclaré remise en liberté client. La justice allemande décidé Kembe en détention, prédicateur irakien Abou Wala. La justice allemande suspecte Abou Wala c'est recruté groupe État islamique là, dans le pays Allemagne. Pour ces présumés recrutés État islamique, là, Abou Wala a 4 autres prévenus capables de prendre plusieurs mois. Et puis, avant nous aller dans la foi qu'on est, Jésus l'a demandé pour maman Li Elisane ou bien papa Li Ovanier pour venir chercher Li dans la télévision nationale d'Haïti. Voilà, amis TNH, n'a pas plu. Grand point avant nous aller, président République là, Jovenel Moïse a rencontré mercredi 4 avril là, non, Palais National, membre comité pilotage avec secrétariat technique État généraux sectoriel là. Rencontre lente et chita sous disposition qu'a prend pour permettre comité avec secrétariat technique là fait travail comme ça doit. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine déposé jeudi 5 avril là, non, Sénat, projet loi pour fixer statut général fonction publique là avec projet loi sous organisation administration l'État. Président Sénat République là, Joseph Lambert déclaré gain nécessité pour gain remaniement qui fait dans cabinet ministériel là, sénateur Lambert qui reconnaît ses prérogatives exécutif là pour faire remaniement souhaité exécutif là consulter sous question si là. 1000 agents de santé communautaire polyvalents déployés jeudi 5 avril là sur tout pays a. C'est ministère santé publique et population en tête collée avec représentant OPS OMS en Haïti qui fait déploiement ça dans cadre d'une cérémonie qui déroulait dans Port-au-Prince. Financer l'agribusiness en Haïti, c'était ma responsable groupe croissance Yokembe pour organiser 8e édition sommet international sous financement. Activité ça a réalisé sorti 9 pour arriver 14 avril 2018 là. Plusieurs médecins spécialistes en médecine interne tête collée avec Healing Hand for Haiti attiré jeudi 5 avril là attention autorité santé publique yo sous importance des gars maladies sucre attention à accident vasculaire cérébral a fait dans pays. Institut international pour démocratie et assistance électorale IDEA international réalisé jeudi 5 avril là un atelier pour réfléchir sur pi bon moyen qui doit appliquer pour permettre quota 30% femmes dans respecté dans toute poste décisionnelle dans pays. La Cour suprême brésilienne by Lord jeudi 5 avril là pour mettre ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva en prison. Luiz Inácio Lula da Silva dénoncé complot, il dit qu'a fait pour empêcher le prendre un troisième mandat plutôt. Merci tout le monde qui t'a suivi journal pour jeudi. Nous souhaitons passer une très bonne soirée et à bientôt.